Et donc chaque semaine, il se passe des trucs comme ça dans le monde. Et cette semaine, j'ai essayé d'aider mon fils. Ça fait 3 jours qu'il me tournait autour en disant « Papa, s'il te plaît, maman, elle ne veut pas m'aider. » Je dis « Pourquoi elle ne veut pas t'aider? Dis-moi. » Et en fait, il y a un truc à l'école en ce moment, une espèce de mode où ils font des sculptures avec des fils. Je ne sais pas si vous voyez exactement. Je ne sais pas comment ça s'appelle, un truc en élastique comme ça. Et puis, il fait des formes. Donc là, voilà, ça c'est un... Ah, je vais mettre le micro comme ça, c'est mieux. Comme ça, là, ça fait une étoile, ça fait ça fait des formes, ça fait la tour Eiffel. Voilà. Et donc lui, il me dit, je galère un peu, j'aimerais bien des modèles, je veux pas de problème. Donc on s'assoit sur le canapé, j'ouvre l'ordinateur, je dis, dis-moi comment ça s'appelle ton truc. Et je tape, et en fait, je me rends compte là du problème. C'est-à-dire que je suis sur un canapé, assis à côté de mon fils, et je viens dans la barre de recherche de taper modèle string enfant. J'ai fait ça, j'ai tapé ça, évidemment. C'est, je comprends évidemment que sa mère, ça fait 2 jours qu'elle joue la montre. Parce qu'elle, elle sait très bien que ficelle, en anglais, ça se dit string. C'est moi qui perturbe pas. Et donc, je suis là, je la vois passer derrière l'ordi en disant, ça va, ça se passe bien, t'es recherche. Mon fils à côté, pourquoi on n'appuie pas sur... Non, stop, voilà. À un moment, je pense que c'est important que tu crées toi-même tes propres formes. Tu n'es pas dans un moule. Putain, j'étais à 3 mm de la touche Hunter, les gars. J'étais à 3 mm de me retrouver devant des flics à devoir expliquer une recherche pédophile sur internet. À dire, mais non, c'est pour mon fils. Et il aime bien voir ce genre d'image. C'est pour. Il a besoin d'apprendre. J'étais à 2 doigts de la honte. J'étais à 2 doigts de faire une Julie Graziani. C'est ça que j'étais à 2 doigts de faire. 3 mm. Julie Graziani, je précise ce que c'est ou tout le monde a. Ah, on sait qui c'est maintenant, cette femme. Bon, je vais essayer de faire ça bien. Je vais essayer de faire ça bien, puisque cette semaine, mesdames et messieurs, j'ai donc un prix à remettre. Et le « j'aurais mieux fait de fermer ma gueule » à l'unanimité, c'est très très rare, mais tous les Français sont d'accord, est remis cette semaine à Julie Graziani pour son « je ne connais pas cette dame ». Qu'est-ce qu'elle a fait pour gagner 15 SMIC? Est-ce qu'elle a fait des études? Est-ce qu'elle est allée à l'école? Bravo Julie, c'est vraiment un moment extraordinaire. C'est terrible, t'as vu comme elle se fait lyncher partout sur internet? Alors qu'elle s'est excusée, hein. Ce matin elle est allée chez Morandini, elle s'est excusée. Elle a dit, sur la forme j'avoue c'était pas terrible, mais sur le fond quand même, c'est vachement bien ce que je dis. Toi t'es devant la télé, non non c'est le fond qui pose problème. Hein. C'est le fond. Puis c'est pas des excuses. Qu'est-ce que c'est? On dirait des excuses de moi quand j'assume pas, tu sais. Et que je suis en face de la femme. Oui, bah pardon, j'ai oublié les enfants à l'école, pardon. Mais à la base, les enfants, j'en voulais pas. Donc, En vrai, je trouve qu'on est beaucoup trop dur avec elle parce que... Je trouve qu'on est beaucoup trop dur avec cette femme parce que... Quel talent! Quel talent! Cette femme, elle est venue à la télé pour nous parler des erreurs de parcours d'une femme qu'elle ne connaît pas. Et pour qu'on comprenne bien nous, parce qu'on est un peu con, en direct, elle fait elle-même des erreurs de parcours pour nous montrer la pédagogie par l'exemple. T'imagines, elle a réussi à saccager sa carrière en 45 secondes. Merci, quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es la meilleure. Je préférais que cette blague ait un rire, mais tant pis. J'ai bien senti des fois, tu sais. C'est ça qui est génial avec ce genre de truc, c'est que tu fais des blagues et puis après tu sais pas si c'est marrant. Et donc tu vas et puis du coup si c'est pas marrant, bah c'est dommage quoi. Mais elle a pas tout à fait tort, Julie Graziani. Je pense que personne n'a vu que je regardais mon texte. Vraiment, j'ai été d'une discrétion. C'est vrai qu'elle a pas tort. Quand même, quand on réfléchit à son discours, c'est quand même pas compliqué de faire des études aujourd'hui. Hein. Vraiment, si tu le veux vraiment, enfin c'est quoi, c'est 10 000 euros l'année. Après oui, t'as peut-être besoin de temps, tu peux pas bosser à côté, voilà, pour étudier, t'as besoin de temps. Bon, bah là, tu prends une femme de ménage, tu manges des sushis, enfin, tu vois. Donne-toi les moyens si t'as vraiment envie. Et si t'as pas les moyens, eh ben tu divorces. C'est pas grave, ça. Enfin, tu divorces pas, surtout, parce que c'est ça qu'elle a dit. Si t'as pas les moyens, tu divorces pas. Elle a dit, si t'es au SMIC, faut pas divorcer. Quelle belle preuve d'amour. J'imagine son mec devant la télé, d'accord. Bah écoute, moi aussi je t'aime du coup. Hein. J'espère qu'elle va pas se faire larguer du coup. Hein. Ah bah je souhaite de tout mon cœur qu'elle se fasse pas larguer parce que là ça va être trop dur pour elle financièrement.
Ah ouais, tu vois bien que sa carrière, elle n'est pas au top, quoi. Enfin, je veux dire, lundi, elle était sur LCI, elle était polémiste. Là, ce matin, elle était chez Morandini pour s'excuser. Cet après-midi, elle était sur Non Stop People. On n'est pas sur une carrière qui monte trop trop vite. Je veux te dire, à ce rythme-là, c'est elle, dans 2 semaines, qui est en train d'alpaguer Macron. Et comment je m'en sors, moi? J'ai 3 enfants, je suis au chômage! Avec Balkany derrière Isabelle qui dit, tu veux qu'on fasse une cagnotte? On fait une cagnotte, hein, si tu veux. Isabelle Balkany, devenue spécialiste des cagnottes pour son mari. Ils ont monté un Balkaniton. Vraiment, ils ont monté un Balkaniton. Le but, c'est de récolter 500 000 euros pour payer la caution pour permettre à Balkany de sortir de prison. On sait pas si c'est légal ou pas. On sait pas, on sait pas. Non, on sait pas. On sait juste que si c'est pas légal, bon, bah, c'est 45 000 euros qui risquent. Donc peut-être on peut organiser une deuxième cagnotte en prévision, parce que. Mais d'après Isabelle Balkany, c'est légal. Elle a dit non, j'ai demandé à mon conseil juridique et tout ça. C'est vrai que quand un Balkany te dit, vous inquiétez pas, niveau fric, c'est clean. Tu te dis, bon, je peux y aller les yeux fermés. Alors là, c'est clean. Si elle le dit, forcément. Putain, j'oublie mon texte en ce moment. J'ai pas dormi beaucoup. Ce qui n'est pas du tout une excuse. Ah oui, ça y est, je me souviens. C'est toujours là que je le perdais quand je répétais. Ouais. Enfin, une cagnotte. Vous me dites si je suis dans le surjeu, hein. Je voudrais surtout pas. T'imagines le montage. Les gens qui ont pas vu la vidéo en live, vous qui êtes là, le lendemain tu vas enfin. Je crois qu'il est dans le surjeu, je crois que des fois il est en surrégime. Bon, quand on dit que c'est une cagnotte, c'est pas tout à fait une cagnotte. En vrai, elle a monté une association parce qu'elle a trouvé que les cagnottes sur internet prenaient trop d'argent. Ils prenaient un pourcentage trop élevé. Mais t'as fait un audit? C'est-à-dire, parce qu'elle est censée être maire par intérim de Levallois, cette femme. Donc je veux dire, elle est censée s'occuper d'une ville, quoi. Non, l'autre, elle est comme ça, dans son ordi, sur internet. À faire un comparatif des meilleurs trucs en ligne. 2% ils prennent, les enculés. 2% c'est du vol, hein. Et je m'y connais, hein. Ok, ils veulent pas prendre 2%. Et c'est vrai qu'elle fait bien de tête. Voilà, c'est quand même on parle d'une fortune. 2%, les gars. Parce que depuis qu'elle a monté son association pour récupérer les fonds, voilà, c'est il y a 3 jours, c'est parti à une vitesse. Là, ils ont réussi à récolter déjà 350 euros. 2%, je vous dis, ça aurait été près de 7 euros qui partaient renflouer certainement un riche mania quelque part. Une fortune. Ils ont des idées, les gens. En ce moment, j'ai envie de monter un Grazianiton. Ouais, je pense moi aussi, faut chacun qu'on monte comme ça des petites associations pour aider les gens qui n'en ont pas besoin. C'est la conclusion d'Internet. Merci Internet d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube.